Bienvenue sur ma chaîne. Marhaba bikoum f qanati. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de partager autour de vous. Tajbetkoum hada la vidéo, ma tnsawch diru l'ishtirak w diru l'like. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatou. Tmenna tkounou bkhir w lakhir. Donc aujourd'hui, je vais faire des mini pastillas aux fruits de mer. Donc c'est des mini pastillas aux fruits de mer. C'est pas des mini pastillas aux poissons. Mohima d'nar, bwit ndir wahed pastillat sghar ديال فواكه ديال البحر ماشي ديال بستيلا ديال الحوت هذه ديال فواكه ديال البحر غادي نزيد فيها هكا طروفه ديال الحوت دونك جو في راجوتي دي مورسو دو بواسون بلان دونك لا جي 1 كيلو دو كريفيت 1 كيلو دو بواسون بلان جي بري دو ميرلان لا جي دي كريفيت بور لا ديكوراسيون. Là, j'ai des champignons. Citron confit, coupé en petits morceaux. Là, j'ai ail et persil. Voilà, haché. Là, j'ai du champignon noir. Du citron. Des olives vertes. Des vermicelles de soja. Là, j'ai de la sauce nyoknam, purée de piment doux, larissa. J'ai les épices et du curcuma, du sel, du poivre, du gingembre. J'ai de l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Et là, j'ai la poudre de crevette. Voilà, c'est de la poudre de crevettes. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Et là, j'ai du colorant, du safran. Voilà, c'est du 100%. Voilà, je peux en mettre deux. المهم كما قلت لكم البسطيله غادي نديرها ديال الفواكه ديال البحر غادي ندير فيها الفواكه ديال البحر عندي واحد كيلو هنايا كيلو ديال الحوت ابيض ميرلا عندي شامبينيون حامض مسير مقطع كطروفة عندي قزبر ومعدنوس والثوم مطحونين هنا عندي الشامبينيون داك الكحل هنا عندي الزيتون شويه د الحامض ولي فيرميسيل ديال الصوجا الكروبات للتزيين هاد لاصوص نيوكنام الهريسه شوي د الملح البزار سكينجبير وخرقوم عود وهذا الغبره ديال الكروفيت الا ما عندكمش بلا ما ديروها ماشي ضروري المهم هكا كتكون اللي ما عندوش ياخد الكروفيت ينشفهم في الفران ويطحنهم وشوي ديال الزعفران والزبدة والورقة ديال البسطيلة دونك il nous faudra du beurre et de la feuille pour pastilla. Donc là je vais commencer. Je vais mettre coriandre, persil et l'ail. Oui, maintenant غادي ندير البصلة والمعدنوس والقزبر اللي طحنت. غنزيد عليهم العطرية donc je vais rajouter les épices. Voilà, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre. Mmh.
المهم هنا درت العطريه كامله، الملح والبزار سكنجبيل خرقوم عود. Là, je vais rajouter la poudre de crevettes qui m'a clé comme la poudre de crevettes. Comme j'ai dit, vous pouvez sécher les carcasses des crevettes au four et après les réduire en poudre avec un moulin à café. Donc là, je rajoute le safran. Un azit de safran. Là, je vais rajouter du jus de citron. On a dit chouette l'acer. Donc, les trois quarts de citron. Là, je vais rajouter un peu de paprika. Moi, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un peu de paprika aussi. Voilà, du paprika. Et là, je vais rajouter l'harissa. Donc, je vais faire deux sortes de pastilla, une piquante et une moins piquante. Donc là, je vais commencer par la cuisson du poisson blanc. On a le bedan tayeb de merlan. On a chouette zibda, chouette zit bildia ou chouette zit romia. Donc là, j'ai mis un petit peu de beurre, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Donc je fais revenir le merlan. Voilà, je le fais revenir. المهم خصو يتشحر شويه، ماشي بزاف، واحد 5 دقائق، دونك با بلوس دو 5 مينوت. لا جو في لا بريباراسيون دو توت الور. المهم هنا غادي ندير هذيك الشرموله اللي وجدت قبيله. Voilà, il faut bien le mélanger. Je vous ai dit pas plus de 5 minutes. Moi, je vais faire cette photo. Je vais faire cette photo. Voilà, je vais mettre cette chlina pour éviter qu'il se mette en miettes. On ne remue pas beaucoup. Je vais mettre la couche bzef. On fait la même chose pour les fruits de mer. Je vais mettre une chose qui donne le plus loul. Je vais dire le zibda, je vais dire le bildia ou je vais dire le romia. Ou on va dire le fawa qui dit le bahar. On laisse cuire les fruits de mer aussi 5 minutes, pas plus. المهم تا هما 5 دقائق ما تفوتوهاش. On rajoute aussi les deux grandes cuillères du mélange de tout à l'heure. المهم لازم واحد جوج معالق كبار ديال ديك الشرموله اللي وجدنا هي قبيله، ونديروا ليهم نفس الطياب بحال الحوت. دونك كوم جو فوز اي دي لا ميم كويسون كو لو بواسون بلان.
Là, on prend les vermicelles de soja qu'on a trempées dans l'eau bouillante à peu près 5 minutes. Voilà, donc juste après, vous les passez dans une passoire. Là, je vais rajouter de la poudre de crevettes. Moi, maintenant, je vais ajouter le rabra de la crevette. Je vais mélanger bien. Je vais mettre les vermicelles de soja pour donner un goût aussi à ces vermicelles de soja. Et je vais rajouter aussi le jus des fruits de mer. Voilà, quand j'ai goûté les fruits de mer, j'ai récupéré son jus, voilà, que je vais mélanger avec les vermicelles de soja. Qui m'a dit comme si dès que le marqué les brats lief donc fawaki dial le bahar hit s'qtrat hom ou brats lief had le marqué dial hom hier les dert d'abaf had les vermicelles dial soja. Là, j'ai pris une grande assiette ou un grand plat. On a dit un tabsil kbir li ghanhlat fih les ingrédients kamlin. Donc je vais mettre tous les ingrédients qui ont été préparés. Là, j'ai mis les vermicelles de soja. Oui, on a dit les vermicelles de soja. On a dit alayhom fawakih dial bahar. Donc là, j'ai rajouté les fruits de mer. Voilà, on mélange bien. Et au fur et à mesure, je vais rajouter les autres ingrédients. Donc là, il y a les champignons noirs. Les champignons noirs, le hamd msayer, les citrons confits, les olives, je vais rajouter les champignons, et le merlan. Nazt le merlan. Moi, je vais mélanger complètement, mais faut pas trop mélanger pour que le merlan reste quand même en morceaux. Ne trop بزاف. Charmoula les patillas. Donc j'ai rajouté la marinade là que j'avais fait au début. Donc là, je rajoute de la sauce nyoknam. Nazt dik la sauce nyoknam. Rakat ji zwin fad lbstila dial lfawakih dial lbahar. La sauce nyoknam est très bonne pour cette recette, ça donne vraiment un goût relevé. Là, je vais partager en deux, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, que je vais faire une partie piquante et une partie moins piquante. Donc, je vais aller je vais bien mettre la harissa, donc la pastilla aux fruits de mer ou la pastilla aux poissons, elle est très très bien épicée. Donc là, j'ai rajouté à peu près 2 cuillères à café de harissa. مهم كيفاش كيما كتعرفوا راه البسطيله ديال الحوت ولا هاد البسطيله ديال الفواكه ديال البحر كتكون تتبغي الهريسه خاصها تكون حاره. دونك لا مون ميلانجي بري. فوالا جي مي فاي دو باستيا. J'ai un jaune d'œuf pour coller la feuille à pastilla.
صفار ديال البيض، شويه ديال الزبده، وشويه زيت الروميه، جيان جون دوف، دو بور اي ان بو دو نويل. L'huile, c'est pour le croustillant. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. Je vous la mettrai en lien dans la description en dessous de cette vidéo. Et là, j'ai un couvercle avec quoi je travaille toujours mes mini pastilles rondes. Et là, on dit que je vais faire des pastilles. On dit que la vidéo est comme Tariqa qui fait que tu as des mini pastillettes. La Kinef, on a des conf sans doc le wasp. Tu as la vidéo, Inch'Allah. Pour les pastillas qui sont pas très piquantes, je vais les mettre en carré. Oui, mais là, on va les mettre en carré. Je ne sais pas si on les harre ou si on les maharre. Voilà mes mini pastillas. Voilà, là c'est les piquantes, là c'est les moins piquantes. Voilà, ils vont passer au four et je vous montre le résultat. Mouhime de Weston Farran ou Shkeldialom Keiji Haka. T'mina de la vidéo de Kuner Jbetkoum. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À une prochaine recette, Inch'Allah. Salam alaikum.